Nous vous souhaitons la bienvenue à la motion de l'Académie de Mines. Dans les secondes demi-trois du XVIIIe siècle, il y aura diverses constantes en Espagne, ainsi que dans la mise d'Almadén, ce qui s'achevait à la création de ce qui serait le premier école d'ingénierie minette de ce pays et de la quatrième au monde. Les premiers lettres d'abandon chez la mine doivent se loyer successifs et les manques succès des embâtissements réalisés par l'État, provoquant une baisse de la production et une augmentation des coûts. Le 10 mai, les nouveaux arts rénovateurs des Lumières en Europe qui sont étendus à travers l'Espagne. Oh, l'endettement de l'exploitation minière aura un rôle important, pérenne par les nombreux visiteurs d'experts d'autres pays pour conseiller et mettre en œuvre les nouvelles techniques minières qui amélioreront l'exploitation des mines. La couronne espagnole, consciente de l'importance que ces mines ont pour ses renouveaux, proposait par une cédule royale du 14 juillet 1777 la création de la première école pour l'enrichissement des mines en Espagne, nommée Cristóbal Storr responsable de cela, ainsi que le directeur des mines Almadén. Après sa création, il faut construire un endroit pour abriter les étudiants pensionnés par le trésorier royal. Ce bâtiment a été inauguré en 1785 et connu sous le nom de l'Académie. C'est un bâtiment rectangulaire avec les plus grands côtés de sa façade. À l'arrière, il y a un grand patio par chaillère. Il a des étages donnés sur l'arrêt et des sous-sols à l'arrière en raison de la dénivelée des terrains. Son intérêt principal réside dans sa façade, et plus précisément dans les portes et les balcons supérieurs avec une bouclière à touche finale. À l'exception de sa porte qui est en pierre, le reste est peintre et avec des dessins rembourrés. Les matières initialement enseignées étaient les géométries souterraines et la minéralogie. Le rythme des changements était similaire à celui des ingénieurs militaires. Par conséquent, en cure de leur information, ils ont obtenu le rang d'écarté d'un régiment de la couronne et Nouvelle-Espagne, merci que. Leur celle de classe volée par ces personnalités comme Foster de Gure, découvreur de Wolfman et André Manuel de Rio, à qui les découvertes Thibaudien et Douai. En 1835, l'Académie des Mines a été transformée à Madrid, où l'école spéciale d'ingénierie des mines a été fondée. Le projet primitif à partir de sa fondation de la Réunion, devenant l'école partie des mines, devenant la première école de contre-maîtres des mines du pays en 1841. À Noël, en 1773, l'école bicentenaire des mines a changé son emplacement pour devenir de la cycle actuelle de l'école d'ingénierie minière et industrielle. Maintenant, nous quittons cet endroit, mais vous pouvez continuer d'apprendre plus d'histoire d'Almadén en passant au point d'intérêt suivant.